Cher ami websurfeur, bienvenue dans la rubrique chez nos voisins. Nous sommes en province de Luxembourg et plus spécifiquement à Wellin. Je vous invite à découvrir avec moi l'atelier d'essence et à aller à la découverte de la cuisine de demain, peut-être la cuisine des insectes. Suivez-moi. Monsieur Dussard, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici aujourd'hui pour une cuisine un petit peu spéciale, la cuisine des insectes. Oui. D'abord, parlez-moi un petit peu de votre parcours et comment donc vous êtes arrivé ici il y a 6 ans. C'est ça, on a ouvert il y a 6 ans, voilà. Et j'ai été 5 ans à l'école hôtelière à Bouillon. Et ensuite, j'ai été directement travailler au moulin de Daverdis pendant 9 ans. Ils ont ouvert ici. Et voilà, maintenant ça fait 6 ans. Tous ces 15 ans pour le même patron. La cuisine des insectes, la cuisine de demain, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très intéressant. Et ça change surtout. Enfin, pour un cuisinier, c'est un nouveau défi surtout. C'est faire accepter aux clients que ça plaise. Et c'est de les mettre en valeur pour justement que ça donne envie. Ça donne envie, oui, justement. Le problème, il est là. Quand on voit une pièce de bœuf, on peut la manger seule. C'est vrai. Mais les insectes. Oui, ça c'est plus psychologique, je vais dire. C'est psychologique. Voilà. Parce qu'en fait, les insectes, ça ne doit pas avoir mauvais goût, forcément. Non, du tout. Non. C'est plus un... Ça me fait plus penser à la noisette, en fait. Vraiment, le premier que j'ai goûté, ça m'a... Voilà, quand vous ouvrez un paquet pendant la première fois, je veux dire, c'est vrai qu'il faut mettre une sauterelle en bouche ou un criquet, je veux dire, c'est spécial. Mais dès que vous y goûtez, c'est vraiment pas terrible. Enfin, je veux dire, c'est pas si terrible que ça, quoi. C'est vraiment bon et... Et vous les accommodez de plein de manières, je suppose. Oui, on essaye un peu tout ce qui nous passe. J'essaie de les cuisiner comme un escargot, comme n'importe quel ingrédient, en fait. Ça vous inspire, les insectes, au niveau de votre côté culinaire? Ça vous inspire autant ouais. qu'un autre produit? Oui, bien sûr, ouais. Même plus, même. Parce que là, il y a vraiment... Bon, la cuisine normale, je veux dire, tout a déjà été fait, je veux dire. Hein, c'est vrai que... se ressemble, mais là les insectes, c'est vrai qu'on n'a aucune base réelle, on essaye de suivre notre inspiration. Et est-ce que vous pensez que dans les années prochaines, on en sera un jour obligé de manger des insectes par pénurie d'autres denrées? Je pense, ouais. En lisant un peu les journaux, et on en parle de plus en plus, donc je pense que oui, on sera amené à en manger. Ouais. Eh bien, je pense qu'on va peut-être pouvoir goûter ce que vous nous avez cuisiné aujourd'hui. Avec plaisir. Chef, expliquez-moi. Voilà, pour cette assiette, par exemple, c'est des udons, donc des nouilles, au vert du sangoutier et aux champignons. On a essayé de s'inspirer de côté asiatique, comme ça. J'aime bien cette tendance. Voilà, on essaye différentes recettes et voilà, je vous propose de goûter. Je vais goûter. Ça sent très bon, en tout cas. Merci. Comme vous dites... C'est quelque chose d'un peu plus relevé, en fait. Hein, oui, tout à fait. Avec du soja, un bouillon de légumes. Effectivement, le goût est relevé, pas désagréable du tout. Comme toujours, je me bats avec les nouilles, mais ça, c'est habituel. C'est très bon. Bah, c'est pas mauvais. En fait, comme vous dites, c'est l'appréhension. C'est l'appréhension qui joue au départ, parce que quand on vient avec l'esprit ouvert, voilà. C'est bon. On va prendre un petit verre aussi. Santé, chef. Santé. On a une seconde assiette ici, chef. Expliquez-moi. Voilà. Ici, on a réalisé des boulettes de criquet. Vous savez, on a broyé les criquets. On y a mis un peu de fromage avec, en fait. Même les végétariens peuvent les manger sans souci. Enfin, s'ils n'ont rien contre les insectes, évidemment. On a réalisé un petit couscous avec quelques légumes, comme ça, pour mettre un peu de couleur et donner un peu de goût. Un petit jus de tomate, comme ça, légèrement relevé, avec quelques épices. Et voilà, tout simplement. Eh bien, on va goûter aussi. Bon appétit. Merci. Ça aussi, on mange. Allons-y pour la bébête. Je ne sais quoi dire. On sent que c'est un criquet, pas de doute là-dessus. Le goût n'est pas mauvais, n'est pas dérangeant. C'est une cuisine à découvrir. Chef, maintenant que j'ai dégusté, franchement, c'est une belle découverte pour moi. Et je vous en remercie.
Avec plaisir. Quels sont vos objectifs vis-à-vis de cette cuisine nouvelle ? Pourquoi pas la développer encore ? Essayer de faire goûter un maximum de personnes, de la faire aimer. Et ce sera déjà une belle chose si on arrive un peu à évoluer avec. Je trouve que c'est intéressant. Et... C'est une cuisine aussi apparemment qui pourrait très bien convenir aux végétariens. Oui, je pense, oui. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie, chef. Avec plaisir. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre établissement pour notre rubrique découverte. Avec grand plaisir. Parlez-nous un peu justement de votre établissement. Depuis quand êtes-vous ici ? On a ouvert en fait ici à Ouellin en mai 2009. Donc moi j'ai travaillé avec mes parents avant Ouellin de Verdis. Et le chef Romain Dussard qui travaille avec moi également au Ouellin m'a rejoint ici. Et on a ouvert l'établissement à deux pour commencer. Vous avez une jolie carte variée. Et il y a un an, vous avez introduit les insectes. Voilà, c'était un peu tendance sur le marché, on en parlait dans la presse, à la radio, et ils ont fait leur apparition aussi dans les supermarchés, donc on s'est dit qu'on pouvait un peu surfer sur la vague, et pourquoi pas, on a tenté le coup, et ça fait maintenant un an qu'on travaille les insectes à la carte. Vous avez une clientèle qui apprécie ? Oui, on a beaucoup de clients qui sont venus pour qui connaissaient déjà, qui en ont déjà pris, et la plupart, ça reste quand même beaucoup de curieux, évidemment. Et est-ce que les gens qui viennent déguster les insectes reviennent pour les insectes ? Pas forcément. Comme je vous dis, les vrais amateurs, oui, ils reviennent quand la carte change parce qu'ils veulent goûter des nouveautés. Oui. Les gens qui en ont déjà pris, certains en reprennent de nouveau par curiosité parce que la carte change tous les 3 ou 4 mois. Mais la plupart ont goûté une fois et ils sont contents d'avoir fait. Est-ce que vous pensez, j'ai déjà posé la question à votre chef, est-ce que vous pensez que ça peut être la cuisine de demain ? Demain peut-être pas, on va dire après-demain. Après-demain ? Après-demain, c'est un peu court pour, à mon avis, notre génération de s'adapter à ce type de nourriture. Maintenant, je pense que dans quelques années, on n'aura peut-être pas le choix. Donc vous pensez aussi que ça va être une obligation ? C'est fort probable, oui. Est-ce que vous avez... Donc cette cuisine est très bien pour des végétariens aussi ? Tout à fait, exactement. Est-ce que vous avez un public végétarien qui vient pour cette cuisine ? On adapte déjà en fait notre carte pour les végétariens, donc au niveau des pâtes, même sur demande, des clients arrivent, parfois nous demandent si on peut leur faire quelque chose avec des légumes, on s'adapte facilement, donc ça pose aucun problème. Maintenant, évidemment, les insectes ne posent non plus, ça ne dérange pas du tout d'ajouter des insectes à ces recettes, c'est tout à fait une cuisine qui est tout à fait possible pour les végétariens. Et la cuisine des insectes, c'est l'accompagnement qui fait. Vous allez me dire, c'est un peu comme les escargots, les moules, c'est l'accompagnement qui voilà, joue. Voilà, tout à fait. Oui. Au début, on se basait beaucoup trop sur le produit lui-même. Comme je vous avais expliqué, on ne travaillait que les insectes avec, par exemple, comme on les comparait à des escargots, on faisait des insectes avec une cassolette de champignons. Comment on fait une cassolette de champignons, en fait ? Maintenant, on s'est un peu adapté. C'était pas la bonne solution, c'était trop vite écœurant. On s'est adapté et maintenant, on travaille plus le produit avec un plat déjà travaillé. Donc, on les incorpore dans un plat de pâtes, dans une salade, dans un potage aussi. Voilà pour les exemples. Voilà. Est-ce qu'il y a une inspiration d'autres pays ou de partout On a déjà travaillé les cuisines du monde. Ça dépend des saisons. Ici, on est en période de chasse, donc on a déjà une grosse carte avec le gibier en plus de la cuisine traditionnelle française. Mais quand on se retrouve au printemps, on essaie de travailler. On a déjà fait une carte spéciale Cuisine du Monde. On travaille des plats d'Argentine. On les revisite, hein, évidemment. Donc, ce sont des grands classiques de la cuisine argentine, du Brésil ou des États-Unis, comme les burgers ou quoi, mais complètement revisités à notre façon. Eh bien, monsieur Dufour, je vous remercie. Et je vous remercie aussi parce que pour moi, aujourd'hui, ce fut une découverte dans votre établissement. Merci beaucoup. Chers amis websurfeurs, c'est ici que se termine le reportage chez nos voisins. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Il faut vraiment que vous fassiez le test de venir ici et découvrir ce que j'ai découvert aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau reportage. Portez-vous bien. Thank you.